Alors, monsieur, bonsoir. Heureux à nouveau de vous retrouver dans le cadre de l'émission Entretien avec les États généraux du jeune avocat des barreaux de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune auront lieu du 16 au 18 avril prochain au Cameroun. C'est d'ailleurs la première fois que de telles assises se tiendront dans notre pays. Une rencontre opportune qui intervient au moment où, en interne, bon nombre de promesses, du moins de problèmes, secouent le Conseil de l'Ordre des avocats. À l'origine, avec le corps des enseignants de la crise anglophone, très peu d'informations filtrent désormais sur la situation réelle de l'exercice de cette fonction dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. De même, les derniers résultats de l'examen de fin de stage d'avocat session 2018 font jaser. Voilà la brochette de questions autour desquelles, évidemment, je poserai des questions ce soir à mon invité, qui par ailleurs est un avocat au barreau du Cameroun et participe à la réalisation des missions du Conseil de l'Ordre. Titulaire d'une maîtrise en droit des affaires obtenue à l'université de Reims-Champagne à Ardennes en France, il est également titulaire d'une maîtrise en droit privé de la même université après avoir obtenu sa licence en droit option droit privé francophone à l'université de Yaoundé. Membre d'Avocats sans frontières Cameroun, il est désigné en 2013 observateur national des élections sénatoriales pour le compte de cet organisme. Mon opte participe aussi aux rencontres de l'arbitrage du JICAM. Bien évidemment, il est auteur de plusieurs articles publiés dans les revues juridiques. Maître Sterling Minou Djalang est l'invité de ce soir. Il est déjà installé dans le métier fauteuil rouge. Bonsoir et merci, maître. Oui, bonsoir, bonsoir. On va y aller tout de suite. Hein. Je l'ai dit à l'instant. Jeune avocat correspond à quel profil, quelle expérience, quel âge, puisque vous tenez dans très peu de temps les états généraux qui concernent cette catégorie d'avocats? Oui, le jeune avocat, ce n'est pas une question d'âge. Hein. C'est généralement ceux qui ont encore moins de 10 ans d'exercice en tant qu'avocat, aussi simple que cela. Et d'où viennent précisément les participants à cette conférence internationale? Oui, c'est les états généraux qui se tiennent à Yaoundé du 16 au 18 avril 2018. Ces participants viennent de plusieurs pays, notamment de 40 pays au moins, à la fois même des barreaux des Caraïbes et des Amériques. C'est un événement qui a été impulsé par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, Jackson Nyekamga. Ça, il faut le reconnaître. C'est vrai qu'il a réussi à fédérer autour de lui d'autres barreaux. Et donc, au cours de cet événement, on va voir la participation d'au moins 100 avocats. Ça, il faut le savoir. Donc, voilà ce qu'on peut vous dire brièvement. Et quel en sera le contenu? Le contenu, en fait, il faut comprendre que quand on parle des états généraux de jeunes avocats, il s'agit de permettre à l'avocat, le jeune avocat, de savoir comment ouvrir un cabinet, de maîtriser son environnement, d'être un avocat dans la société, mais aussi surtout, à l'heure actuelle, c'est de réussir à nager dans ce qu'on appelle la mondialisation du droit et de maîtriser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, au cours de cette assemblée, de ces états généraux, donc, c'est à tour de cela que les jeunes avocats vont tabler. Il s'agit donc des travaux théoriques et pratiques? Exactement, oui. Au cours de ces états généraux, il y a des résolutions qui sont prises et les bâtonniers des états, des différents bâtonniers qui vont y participer ont déjà pris l'engagement d'implémenter ces résolutions auprès de leur gouvernement respectif. Et quel bilan peut-on faire des précédentes assises, si jamais il y en a déjà eu? Oui, je voudrais surtout vous rappeler que c'est la première fois que cela se tient en Afrique. D'accord. Et c'est une initiative qui est propre aux bâtonniers du Cameroun, il faut le relever. Donc, ce sera la première occasion, effectivement, d'apprécier ce genre d'opportunité. C'est la première fois que ça se tient en Afrique, mais oui. Auparavant, c'est tenu ailleurs. Non, dans la conception actuelle, c'est une œuvre du bâtonnier Nyekamga. Y a-t-il une différence? Je veux dire que... Oui, avant, on avait les conférences internationales des barreaux. D'accord. Qui se tenaient et au cours desquelles on abordait des sujets. Mais cette fois, nous sommes en dehors du cadre de la conférence internationale des barreaux. Il s'agit d'un événement spécifique qui réunit les jeunes avocats uniquement, spécialement. Et vous l'avez dit, les bâtonniers se sont engagés à faire implémenter les résolutions. Il est clair que ça se fait dans un cadre institutionnel. Quelle est la part des pouvoirs publics? Quels moyens de pression éventuellement avez-vous pour essayer d'amener les gouvernements à mettre en œuvre les résolutions qui seront retenues?
Oui, il ne faut pas oublier que quand on est bâtonnier, on est un interlocuteur des institutions dans chaque pays où on a été bâtonnier. Donc, il appartient à chaque bâtonnier de convaincre le gouvernement qui sera son interlocuteur d'accepter les propositions issues des résolutions de ces États généraux-là. Il ne s'agit pas d'un conflit, il s'agit d'une action de concertation, on va dire ça comme ça, pour vous dire à chaque gouvernement, voici les résolutions, voici ce qui permet au jeune avocat d'aujourd'hui de pouvoir exercer son métier de manière à gagner sa vie proprement et surtout aussi de contribuer à ce que la société soit modernisée. Nous sommes dans un univers où le droit, où il y a la mondialisation du droit. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça permettrait également, mais surtout aussi, que les jeunes confrères entre eux fassent connaissance. C'est un grand moment de confraternité. Et vous parlez là surtout de la conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune. Oui. En général, c'est que des pays francophones. Oui, sauf que le Cameroun y apporte sa spécificité. Il D'accord. faudrait savoir que dans le monde, on a trois grands systèmes juridiques. OK. Il y a le grand système qui est celui de la Conférence nationale des barreaux de tradition commune, qui généralement, on dit que c'est des francophones, on va dire ça comme ça. Vous avez également le système de la common law, et le troisième qui est d'inspiration islamique. Mais le Cameroun a la particularité de réunir dans les exercices de la justice, deux systèmes. Le système de la common law et celui qu'on va dire francophone. Donc le Cameroun a tenu à garder cette spécificité en étant admis au sein de la CIB. Et c'est d'ailleurs cette spécificité qui permet au Cameroun d'apporter une note particulière lors des travaux de la CIB. Et concrètement, au cours des travaux, qu'est-ce qui a été mis en œuvre pour que ce volet common law soit intégré? Il est forcément intégré dès lors que le Cameroun participe à cela. Les résolutions qui vont être proposées par le Cameroun sont des résolutions qui s'inspirent des deux traditions juridiques au Cameroun. C'est aussi évident que cela. Donc le moment venu, vous allez apprécier, vous allez pouvoir comprendre, puisque les jeunes de travaux se tiennent la semaine prochaine et ils se sont pas encore Les tenus. avocats camerounais parleront anglais à leurs confrères. Oui, au cours des conférences internationales, ce n'est pas nouveau. Les avocats se réunissent très souvent de plusieurs origines. On parle anglais, français, espagnol, allemand, ainsi de suite. Il y a des traducteurs au cours de ces Et conférences. les objectifs définitifs, c'est quoi? Mais c'est que le jeune avocat réussisse à être à l'aise dans le monde d'aujourd'hui, tout simplement. Qu'il maîtrise son environnement et que surtout également qu'il aille à la rencontre des autres confrères d'autres pays. Alors, vous êtes sans ignorer que ces États généraux interviennent dans un environnement quand même marqué par les résultats de fin de stage, hein, session 2018, que les résultats que vient de publier le ministre de la Justice, le garde des Sceaux. De prime abord, vous avez un commentaire à faire autour de ces résultats? Un commentaire, il s'agit d'un examen. Ceux qui l'ont eu sont ceux qui ont eu la moyenne, le minimum requis par la loi. Voilà ce que je peux dire. Indépendamment des grincements qu'on peut entendre ci et là. D'abord, quel est le niveau d'implication du barreau et des pouvoirs publics à l'organisation d'un tel examen? Mais l'examen est organisé sous la coupe du ministère de la Justice. OK. Donc, le Conseil de l'Ordre et le ministère de la Justice travaillent main dans la main pour l'organisation et la publication des résultats. Qui sont Sauf les... que, Oui. oui, voilà comment ça se passe, c'est aussi pratique que cela. En général, qui sont les candidats? Les candidats, ce sont les avocats qui ont été admis. Il y a deux étapes. D'accord. Pour l'examen de fin de stage, il faut d'abord déjà être admis en stage. Donc c'est tous ceux qui ont été admis en stage qui participent à l'examen de fin de stage, sous condition de n'avoir pas été sanctionné par le Conseil de l'Ordre. Il y a des sanctions qui vous excluent de la participation ou bien qui vous suspendent pour une session d'examen. Mais tous ceux qui ont passé l'examen et les épreuves du dernier examen sont ceux qui étaient déjà avocats en stage. Donc cet examen, c'est pour sortir du stage et devenir avocat et être inscrit au grand tableau. Et concrètement, en quoi consiste ce stage? Comment se déroule-t-il? Qu'est-ce que les candidats font comme exercice pour être appréciés ou notés? Oui, avocat, c'est une profession, c'est un métier. Absolument. Donc, quand vous entrez en stage, c'est pour apprendre la déontologie, apprendre les canons, apprendre les règles de la pratique du métier d'avocat. C'est ça le but du stage. Et au Cameroun, il existe des conférences de stage pour fédérer tous les avocats en stage et leur inculquer la même déontologie, la même formation. Les avocats de la dernière QV, on a réussi à faire des stages à l'échelle nationale, dans toutes les régions, pour que ces avocats soient au même niveau avant l'examen de fin de stage. Voilà comment ça se passe. Et dans chaque cabinet, c'est à l'avocat d'apprendre à son stagiaire comment rédiger des actes, comment engager des procédures, comment accueillir un client, comment tenir un dossier, comment tenir un cabinet. Voilà les rudiments que l'avocat en stage doit pouvoir maîtriser.
Et cette année a eu une spécificité. Le stage en lui-même a duré 3 ans au lieu de 2, comme ça a souvent été le cas. Oui, sauf que c'est toujours des événements dont le timing échappe parfois à ceux qui sont chargés de les organiser. Je ne peux pas avoir d'explication dessus. La loi prévoit 2 ans de stage. Y a-t-il eu une progression exceptionnelle? Je veux dire, puisque la loi a prévu un cadre. Oui, la loi a prévu un cadre de 2 ans, sauf que la loi est restée muette sur le fait que si l'examen n'est pas organisé au bout de 2 ans, il n'y a pas de conséquences. Et ça n'enlève rien à la légalité. Donc, je veux dire que un avocat, un stagiaire qui n'a pas réussi son examen ne peut pas poursuivre le barreau éventuellement, tout au moins pour le non-respect du timing. Bien, est-ce que ce sera ça le fondement, l'argument le plus pertinent qu'il pourrait soulever pour engager son action? J'en doute. Maintenant, libre à lui de pouvoir le faire. Vous savez, dans chaque avocat est libre de sa procédure, il est maître des moyens qu'il va déployer pour pouvoir maîtriser son action. Je ne peux pas ici me mettre à la place de celui qui estime que pour avoir passé 3 ans, 1 an de plus en stage, cela lui a causé un préjudice et peut-être qu'il a un droit de demander réparation ou bien d'engager une procédure contre le droit du Cameroun. Chacun va apprécier, c'est lui qui apprécie à son niveau. Alors, l'édition 2018 a quand même eu un cas exceptionnel, un non-voyant qui a été promu Oui, maître, le désormais maître Janvier Alfred Ngalembok. Exactement, Galimbo. C'est la Oui, première fois que ça arrive, hein. c'est la première fois que ça arrive, tout à fait. C'est la toute première fois que cela arrive et je pense qu'il faut saluer son parrain et tous ceux qui l'ont encadré. Et surtout lui, vraiment lui tirer un grand coup de chapeau parce que réussir dans ces conditions à devenir avocat, c'est un exploit qu'il faut saluer. C'est un exploit qu'il faut saluer. C'est typique au Cameroun, on en trouve en Afrique, dans le monde. Vous en Oui, connaissez oui, d'autres? oui, oui, oui. Là, en France, il y a des avocats aveugles, ça existe, on en a vu ailleurs. Oui, ça existe déjà ailleurs. Alors, on a quand même pu remarquer qu'il y a je l'ai dit tout à l'heure, de grincements de dents qui se font entendre après la publication de ces résultats. Sur les 1 400 stagiaires qui ont participé à cet examen, seulement 474 ont été déclarés admis, soit un taux d'échec de 70%. Je suis à l'aise pour répéter la réponse du bâtonnier. Il a été clair là-dessus. Et ce qu'il dit, il n'invente pas. Il s'agit d'un examen, non d'un concours. Tous ceux qui ont la moyenne requise devraient être admis. Ceux qui ne l'ont pas ne pourraient pas être admis. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas d'avance sur le nombre de personnes qui devraient pouvoir passer l'examen. Donc, la seule condition, c'est d'avoir la moyenne exigée prévue par la loi pour être admis. Est-ce la première fois qu'on atteint un taux aussi important en termes d'échecs, aussi loin que pourraient aller vos souvenirs? J'aime bien vous rappeler la formule du bâtonnier. Il dit que c'est la première fois qu'on a 475 avocats 474 avocats stagiaires qui vont prêter serment. Et il l'a dit, il n'y a pas de fierté à en tirer, il n'y a pas non plus de honte à éprouver. Voilà la réponse que je peux vous répéter, celle du bâtonnier. Mais vous, à titre personnel, loin du bâtonnier, comment vous pourriez expliquer cette performance-là? Je n'ai pas d'explication sur la performance. Les grincements, ça arrive à tous les examens, à chaque même en classe, quand on donne à tous les niveaux, chaque fois qu'il y a une épreuve, il y a des grincements. Personne n'a jamais été content d'avoir raté un examen, personne. Les grincements, c'est tout à fait normal, on est mécontent parce qu'on n'a pas eu son examen. Maintenant, ce n'est pas toujours que, comme on dit, t'es pas, c'est pas, il y a encore une possibilité de faire cet examen. Dans 1 an, il y a un autre examen de sortie qui sera organisé. Et Il faut se préparer à pourtant, cela. quand on regarde moins l'investissement, évidemment, les sacrifices que les parents ont dû faire, et même les investissements financiers, l'Union européenne a octroyé une subvention de 300 millions. Je veux dire que 300 millions ont permis que 474 réussissent. La seule chose qui permet de déterminer le nombre d'admissibilités, c'est la moyenne obtenue après les épreuves. Le reste, ça Quelle reste était des la notes. moyenne minimale admise? Il faut avoir 12 pour aller aux euros. Donc, en d'autres termes, un avocat qui a 11 n'est pas un bon avocat. Non, ce n'est pas Conséquence. qu'il n'est pas un bon avocat. Il faut toujours se dire que c'est un examen et parfois, la réussite dépend de la forme que vous avez le jour où vous composez. A contrario, peut-on dire que peut-on remettre en cause le niveau des candidats? Peut-on dire que les avocats étaient d'un niveau faible, d'un niveau bas? Il y a plusieurs façons de le voir. Peut-être que les épreuves étaient corsées. Si vous voulez procéder à l'analyse de cela, on peut le faire sur plusieurs angles, sans que pour autant ça ne remette en cause les résultats, de mon point de vue.
Oui, mais je veux dire qu'on analyse les résultats. Je veux dire, c'est un fait déjà, les résultats. Oui. Mais il faut comprendre comment on fait pour... Maintenant, il faut que le baromètre à la disposition des observateurs, les notes, pour qu'on puisse voir que peut-être que la plupart des notes sont catastrophiques, ou alors tout simplement, pour pouvoir analyser, il faut avoir les éléments entre les mains pour le faire. Là, pour l'instant, on est dans les supputations. Mais si on reste de manière, sur un plan purement objectif, en se disant, comme ils sont nombreux à ne pas avoir eu, ça veut dire que le niveau était faible, ça peut passer. Mais on ne peut pas simplement s'arrêter à cela. Au quotidien, on rencontre des confrères qui, bien qu'ils soient en stage, c'est des gens qui vous montrent un certain niveau que vous appréciez. Bon, s'ils n'ont pas pu avoir l'examen, on peut également se dire, c'est une méforme. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas se cantonner à un instant pour juger la qualité de Est-ce que sur le plan moral, ou le niveau, le baron ne se sent pas un peu coupable aussi? Je dis quoi qu'on dise, c'est quand même un échec exceptionnel. Hein. Non, c'est normal que ça attire, que les projecteurs soient braqués sur le barreau, pour l'instant, en raison de ces examens-là. Mais encore une fois, la référence vers laquelle tout le monde doit se tourner, c'est la loi. Il s'agit d'un examen. Tous ceux qui ont eu l'examen sont ceux qui ont rempli les conditions prévues par la loi, avoir la moyenne minimale requise. C'est aussi simple que ça. Le bâtonnier a répondu, il était ferme là-dessus. Non, je veux bien comprendre le bâtonnier, mais oui. En même temps, ce n'est pas le premier examen qu'on organise. Ce n'est pas la première fois que la loi existe. Oui. Ben, je veux dire qu'un tel échec doit quand même nécessiter qu'on s'arrête une minute, que le barreau s'arrête une minute, essaye de comprendre. Laissez-moi vous dire aussi que ce n'est pas la première fois qu'il y a des classements dedans. Oui, mais bon, peut-être les raisons sont différentes. Mais vous voyez qu'à chaque fois, il y a toujours des mécontents. Alors, dans nos recherches, on a pu découvrir qu'il y a quand même un candidat qui n'a pas eu l'examen d'entrée, qui a été admis à composer les épreuves écrites et orales. Comment est-ce possible? Bien, je ne peux pas vous donner les éléments qui permettent d'apprécier la situation que vous évoquez. Par contre, je peux quand même tirer une conséquence. C'est que qu'il ait eu l'examen, qu'il ait passé les épreuves écrites et les épreuves orales aujourd'hui, il n'est pas sur la liste définitive. Ben, mais je veux dire que ce cas montre quand même qu'il y a pu avoir une faille. Le travail de conseil d'ordre est un travail d'être humain. Absolument. La perfection ne peut pas lui être exigée. Je vous l'accorde. À partir de cet instant. Et puis, si vous avez mené votre investigation jusqu'au bout, vous aurez pu découvrir qu'il y a des procédures qui ont été engagées. Certainement. Voilà. Ben, je veux dire que s'il y a eu une faille, il pourrait y en avoir d'autres qui ont conduit à l'échec massif de 70% des candidats. La faille que vous évoquez ne touche pas les autres candidats. Je suis d'accord avec vous. Ben, je veux dire qu'il peut y avoir d'autres failles. Oui. Qui ont permis que... C'est un travail d'humain. Les failles, il peut en avoir, ça c'est sûr. Je ne peux pas vous dire que c'était un travail parfait. Maintenant, ceux qui trouvent qu'il y a des failles et qui ont la preuve qu'il y a des failles et que ces failles ont eu des conséquences relativement aux résultats qu'ils escomptaient, c'est à eux d'en tirer les conséquences. On ne va pas rester dans les supputations, non. On ne va pas rester dans les supputations. Que l'on dise que oui, j'ai la preuve de ce que j'ai fait un bon travail, j'ai eu de bonnes notes, mais je ne suis pas admis. Dès qu'on a ces preuves-là, on sait qu'il y a de recours engagés. On peut déclencher des procédures. N'y a-t-il pas des visées électoralistes derrière ces résultats? Ah, s'il y avait des visées électoralistes, je pense que M. Le Bâtonnier, pour le peu de sagesse que je peux lui prêter sans que personne ait à me contredire, il vaut mieux avoir plus de candidats que moins de candidats. Vous ne pensez pas, il aurait pu laisser passer tout le monde pour, si c'était des visées électoralistes, pour se faire élire. C'est plus simple pour lui d'avoir 1400 avocats pour dire, OK, c'est moi qui vous ai laissé passer, ben, merci de voter pour moi. Mais là, sur ce coup-là. Je ne le soupçonne pas de lire dans les boules le cristal, mais oui. Peut-être aura pu-t-il également choisir les candidats dont il peut s'assurer des voix. Je voulais vous dire que ce sera très difficile. Le calcul qu'il fait dans ce cas-là, rien ne lui garantit que si les 474 qui sont admis vont lui ont promis. Je ne sais pas comment ça va se passer pour que ce soit un résultat basé sur la promesse de voter le fil de bâtonnier en place. Non, ça ne correspond absolument à rien du tout. Vous avez discuté avec quelques parents, depuis la... Peut-être les parents de ceux qui n'ont pas réussi. Je n'en ai pas rencontré beaucoup. Bon, pour ce qui nous concerne particulièrement dans notre cabinet, sur 4, on a eu 2. Okay. Il y a eu 2 échecs. Comme dit le patron du cabinet, écoutez, mettez-vous au travail et puis la prochaine fois sera la bonne. Évidemment que vous en prenez un cours aussi à titre personnel. À titre personnel, c'est toujours en difficile. En tant qu'encadreur. Oui, c'est toujours difficile de voir qu'un stagiaire qu'on avait sous sa coupe n'a pas eu son examen. Ce n'est pas facile, ce n'est pas agréable, non, pas du tout. Et comment vous le gérez? Mais le patron a donné le conseil et tout le monde doit suivre.
remettez vos travaux, la prochaine fois sera la bonne. Prochain examen, c'est l'année prochaine, c'est ça? Normalement, oui. Et le processus sera identique. Exact. La même loi, le même process. Exact. Donc, il n'y a aucune possibilité d'annulation d'un tel examen. Quelles peuvent être les raisons? Vous me demandez de me mettre à la place de ceux qui veulent contester les résultats. Et c'est aussi. Mais pour se mettre à la place de cela, il faut que j'entre les mains des griefs qui me permettent de faire des contestations. Je ne les ai pas, on est toujours dans des supputations. Si on avait des griefs, si on avait des éléments concrets, palpables, vérifiables, qui permettent d'attaquer ces résultats et de les critiquer. Dans les différents cas de situation, oui. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser à l'annulation d'un examen comme celui-là? Il peut y avoir des milliers. Il faut que vraiment... Là où, le terrain sur lequel vous voulez m'amener, c'est de pouvoir inventer des motifs ou des griefs. Je ne peux pas les inventer. Il faut que dans un cas concret, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi y a-t-il des grincements dedans? Pourquoi estimez-vous que ces résultats sont contestables? Apportez ces éléments et engagez des recours qui sont adaptés, les recours idoines. C'est à vous de le faire, vous qui estimez qu'il y a des contestations. C'est pas, on ne peut pas se mettre à votre place pour réfléchir. Non, puisque les griefs, c'est vous qui les avez, c'est vous qui détenez les preuves. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas vous le dire, moi je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, moi je ne l'ai pas, je ne les ai pas. Si j'avais les éléments pour pouvoir vous rapporter la preuve de ce que voici les contestations, voici les critiques effectivement, je les ai partagées avec vous ici, mais malheureusement je ne les ai pas. Ne me demandez pas de les inventer. Au niveau de l'ordre, qu'est-ce qu'ils se disent? On n'est certainement pas fiers non plus. Le bâtonnier est celui qui donne le « là ». Il était clair. Ceux qui ont passé l'examen, ceux qui sont admis, sont ceux qui ont eu la moyenne. Pour le reste, il a emprunté au chef de l'État. Il ne commente pas les commentaires. Alors, je comprends que vous également, vous êtes un peu plus que réservé sur cette question-là. Ce n'est pas de la réserve. Je veux bien soutenir ceux qui critiquent, mais qu'ils apportent des éléments concrets. Si nous en avions sous la main dit, oui, voilà, j'ai la preuve que j'ai fait ceci, mais je n'ai pas eu le... Il faut qu'on ait les éléments concrets. Ce n'est pas des supputations. Il faut qu'on ait ces éléments concrets pour qu'on puisse déclencher au minimum une enquête. Ou des vérifications, au minimum. Alors, allons peut-être sur un autre chantier, peut-être moins brûlant pour les avocats aujourd'hui, mais qui reste assez fort dans l'actualité. Déjà 1 an et 6 mois qu'a démarré la crise anglophone. Oui. Évidemment, c'est qu'au début de cette crise-là, avec le corps des enseignants, les avocats ont porté le flambeau. Hein. Ils étaient parmi ceux qui ont entamé la crise. Alors, en jetant un regard dans le rétroviseur, n'avez-vous pas un peu de pincement? Ne vous dites pas, au niveau du barreau, on ne se sent pas coupable? On ne se dit pas, on aurait pu gérer la crise autrement? On aurait pu davantage assister nos confrères qui avaient des revendications? Y aurait-il eu autre chose à faire pour éviter le début de cette crise-là? Pour le peu que j'en sais, je sais que le barreau a toujours été aux côtés des confrères qui étaient en difficulté dans cette affaire. Et le barreau a toujours voulu que les confrères puissent avoir le secours, l'appui du barreau pour les revendications qui sont les leurs quand elles sont d'autres professionnels. Ça, c'est clair. Et lorsque les avocats sont retrouvés en difficulté, le bâtonnier a toujours été là avec d'autres avocats pour soutenir leur cause. Ça, il faut que ce soit clair. Maintenant, est-ce qu'avec le recul, on aurait pu gérer autrement? Je pense qu'aujourd'hui, la crise anglophone a débordé, n'est pas... la crise n'est pas celle des avocats uniquement. On est aujourd'hui à un niveau institutionnel, au niveau national. C'est un débat qui est même pris en main par le chef de l'État. Et à partir de cet instant, les solutions doivent relever du niveau le plus élevé. Il y a des tentatives de solutions qui ont été engagées, qui ont été amorcées. Les résultats ne semblent pas être accueillis favorablement. Il va falloir que les efforts soient encore faits davantage. Mais pour ce qui concerne précisément les avocats, peut-on dire que les choses sont rentrées dans l'ordre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Les avocats ont-ils véritablement, sont-ils rentrés devant les prétoires? Ont-ils véritablement repris le travail qu'ils exercent normalement? Pour l'information que j'ai, je ne vois pour l'instant, je n'ai pas d'information qui ait des éléments qui leur demandent, enfin, qui ait des appels à ne pas travailler. Le Conseil de l'Ordre a travaillé pour que nos confrères reprennent le travail et je crois que c'est ce qui est en train de se faire. Alors vous parlez de l'implication du barreau, je vous le concède, mais on peut quand même s'étonner que le bâtonnier tout au moins est resté presque silencieux. Hein. On ne l'a pas beaucoup entendu tout au long de... Ce ne serait-ce que pour assurer, pour... je vais dire, donner la position claire du barreau.
On a rarement entendu Maître Nyikamga tout au long de cette crise, notamment quand elle concernait surtout les avocats. Je pense que je pourrais dire au bâtonnier qu'elle a choisi une méthode qui est la sienne, le bien faire et laisser dire. Si vous étiez allé sur le terrain pour savoir qu'a fait le bâtonnier, vous aurez pu comprendre que le bâtonnier a été dans cette région aux côtés des confrères pour leur dire que je vous écoute et j'ai besoin d'être à vos côtés pour qu'on résolve le problème qui est le vôtre. C'était la démarche du bâtonnier. Le conseil doit se déplacer plusieurs fois pour aller dans ces zones. Il faut le savoir. On n'a peut-être pas, ils n'ont peut-être pas appelé toutes les fois les caméras et micros de la presse, mais c'est des actions qui ont été menées de manière concrète. Et justement, quelles sont ces actions concrètes? Aujourd'hui, ils sont en train de reprendre le chemin des prétoires. Ça veut donc dire qu'ils ont écouté la voix du bâtonnier. Que reprenons le travail, mais continuons à mener la Et au revendication. niveau, en relation avec les pouvoirs publics, qu'est-ce que le Conseil de l'ordre a apporté? Il y a une passerelle qui est mise en place entre le Conseil de l'ordre, le bâtonnier et le ministère de la Justice. Je crois que c'est une relation qui, pour une fois, a été maintenue pendant très longtemps. C'est la première fois que moi, en tant qu'avocat, je vois que cette relation est maintenue et qu'elle continue. D'ailleurs, on peut faire la même observation sur bien d'autres sujets sociopolitiques. Le bâtonnier, les avocats ne s'expriment pas beaucoup en tant que conseil, en tant que barreau. C'est vrai, je veux dire, à titre individuel, en leur nom, on reçoit les avocats sur nos plateaux. Oui. Mais l'ordre, que ce soit des questions de droits de l'homme, du quotidien des Camerounais, des assassinats qu'on vit, je veux dire qu'on entend très peu. D'ailleurs, il y a même des avocats qui font face à certaines des actions. On l'a vu, que ce soit à Yaoundé ou à Douala. Mais on peut observer en même temps que peut-être que c'est une méthode adoptée. Silence. Non, ce sera certainement pas une méthode, mais je pense qu'aujourd'hui, ce que vous dites ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, monsieur le bâtonnier, nous suivons effectivement, et les membres du conseil. Vous voulez entendre la voix du barreau très souvent sur des questions qui touchent la société, des questions qui débordent même du droit. Je pense que le barreau en a pris acte et on vous répondra certainement dans les jours à venir sur le Bah, grand sujet. S'agissant des confrères en difficulté, ne vous inquiétez pas, le bâtonnier, le conseil a toujours été aux côtés, ont toujours été aux côtés des confrères en on veut difficulté. surtout comprendre avant que l'ordre ne commence à intervenir et à nous dire, on veut surtout comprendre pourquoi ce silence. Silence complice? Bon, silence complice, je ne sais pas si ça veut dire, pourquoi silence complice? Le silence n'est pas toujours complice. Et puis silence, c'est parce que vous n'entendez pas la voix du baron là-dessus. D'accord. Mais est-ce que le baron ne s'est pas prononcé? Vous n'avez pas vérifié. En tout cas, ce qui est certain, vous voulez entendre davantage le baron. Je pense qu'il y a lieu pour le baron de communiquer davantage également. Ce sera rapporté au bâtonnier et vous aurez la réponse certainement. Ce silence ne traduit-il pas une forme d'inféodation? Oui, l'avocat a la réputation d'être indocile, mais ce n'est pas parce qu'il se tait que ça veut dire qu'il est inféodé. Non, ce n'est pas ce que ça signifie. Non, ce n'est pas absolument ce qu'il faut en lire. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels vous avez pu voir qu'il y a une sorte de conflit entre le barreau, notamment sur la réforme du code pénal. On n'a pas toujours été silencieux. Voilà. Donc ça n'a pas toujours été en accord avec. Il n'y a pas toujours eu écho avec ce que les institutions gouvernementales tenaient comme langage. Il y a parfois eu. On va dire quoi? Des dissensions. Il faut dire ça comme elles sont, mais on a fini par s'accorder. Donc le baron n'a pas toujours été silencieux. Non. Et concrètement, sur le code pénal, Oui. Mais le avez-vous baron a dit? donné sa voix. Le baron avait dit ce qu'il en pensait, même si la réforme est passée. Mais le baron a dit ce qu'il en pensait. Et à ce jour, vous essayez quand même de vous y habituer, vous exercer avec. Vous savez, l'avocat au quotidien, c'est comme un guerrier, c'est quelqu'un qui chaque jour doit défendre la liberté. Donc, la loi, elle a été votée. Une fois qu'elle est mise en application, pour l'avocat, il ne s'agit pas de dire toujours que son client n'a rien fait, mais c'est de s'assurer que les conditions prévues par la loi sont respectées lorsqu'il s'agit d'une décision de justice. Donc, l'avocat est toujours sur le front, Alors, peut-on dire sur le bon. que les, comment ça s'appelle, le lobbying du conseil n'est pas suffisamment fort pour faire pencher la balance? Vous êtes exprimé, vous l'avez dit. Le bâtonnier est monté au créneau, vous l'avez dit, mais la loi est passée. Aujourd'hui, vous êtes obligé de vous y accommoder. Mais ce n'est pas une bagarre de rue. Oui, c'est pour ça que Ce n'est j'ai pas une dit. C'est bagarre pour de ça que j'ai rue. parlé de lobbying. Mais Autrement dit, j'aurais. le lobbying, il s'agit pour le barreau de donner sa position vis-à-vis d'une loi. Dès lors que l'avis du barreau est donné, argumenté et adressé aux institutions de la République, elle doit en tirer les conséquences. Si elle n'en tire pas les conséquences, le barreau va donner sa Ben, je voix. veux dire qu'ailleurs, Oui. ailleurs, on a quand même pu voir l'ordre, les avocats se lever comme un homme pour dire que cette réforme-ci, elle est dangereuse
pour nos clients, elle est dangereuse pour notre profession. Oui. Et souvent, cette position-là, on peut faire fléchir. Oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ce n'est pas toujours que le politique suit les protestations, les contestations des avocats. Les politiques ont parfois fait la sourde oreille à toutes les protestations des avocats, au Cameroun comme ailleurs. Mais on peut observer que ici, ce genre été Non, ne dites pas ça. On a, le tout baron au a moins parfois évolué. Si, 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 si. sous le conseil actuel. Non, enfin, sur le conseil actuel, oui, vous pouvez le faire de repos ce que vous voulez, mais au moins, le moment venu, son bilan vous sera dressé. C'est à se demander quel est même son véritable mécanisme de fonctionnement. Puisqu'il est, il est, il est extrêmement discret, on l'a dit silencieux, il ne se déploie pas, on le voit pas se déployer, même s'il le fait, mais on ne le voit pas se déployer. Quel est donc son mécanisme? Comment le barreau fait pour tenir, monter au créneau, défendre ses positions? Quelle est sa méthodologie de fonctionnement? Mais sur les points sur lesquels le baron doit s'exprimer, le bâtonnier rend des communiqués. Oui, c'est aussi simple que cela. C'est un communiqué que le baron prend au conseil d'ordre et sur le bâtonnier qui le signe. Quand il y a une position à prendre, le conseil d'ordre se réunit et le bâtonnier signe le communiqué pour informer aussi bien les confrères que l'opinion publique internationale et nationale. Alors, je parlais tout à l'heure de quelques affaires pour lesquelles on n'entend pas beaucoup le barreau, et je voudrais revenir sur l'une qui a vraiment, ou alors qui est d'actualité assez résonante, hein. L'affaire des sécessionnistes interpellés au Nigeria et ramenés au Cameroun. Bon, là, peut-être je vais d'abord demander à votre avis personnel. Avez-vous le sentiment que les procédures de bout en bout ont été respectées dans ce cas-là? Bien, je ne connais pas du tout le dossier. Je vais donner un avis technique. D'accord. Vous posez une question qui relève du droit pénal international, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque un pays veut recevoir d'un autre pays des personnes contre lesquelles le pays requérant a des griefs ou des reproches à faire, ou veut engager des poursuites, ou veut faire exécuter une décision de justice. C'est ça, d'abord, le problème à régler. Chaque pays, généralement, a une organisation, a des lois pour organiser ce qu'on appelle l'extradition. Ça s'appelle l'extradition. Mais ça peut se faire également dans le cas de ce qu'on appelle l'entraide judiciaire. Alors, pour le cas du Cameroun, alors, ce qui est prévu, c'est que, une demande, il faut d'abord que le juge, généralement, ça part du procureur de la République, qui réunit des pièces à la suite d'une ordonnance rendue par le juge pour dire que je poursuis telle Les ou telle pièces à personne. charge. Oui, voilà, on va dire les pièces à charge. Ces pièces sont envoyées chez le procureur général, qui fait un rapport avec des éléments précis qu'il adresse au ministre de la Justice. Ces éléments réunis, le ministre de la Justice les adresse maintenant au ministre des Affaires et des Relations extérieures, qui lui va saisir son collègue du pays où se trouvent les personnes dont on demande l'extradition. Et ça suit donc ce qu'on appelle la voie diplomatique. Et dans ce pays-là, ils ont une procédure, car moi, si on veut demander l'extradition de certaines personnes, il y a des procédures qui sont mises en place. On doit respecter les procédures internes. Ça, il faut le savoir. Donc, il y a des règles qui sont prévues en matière d'extradition. Maintenant, on peut sortir le cadre de l'extradition, qui est une procédure purement judiciaire, pour toucher ce qu'on appelle l'entrée judiciaire, solliciter les services de l'Interpol. Pardon. Oui. Et il y a des conventions qui existent, même si vous voulez, sur le plan de l'extradition, ce qu'on appelle la Convention des Nations Unies contre le crime transnational organisé. Oui, cette convention favorise ce qu'on appelle la souplesse des procédures. Parce que quelquefois, il y a des pays qui exigent d'avoir des conventions avec d'autres pays avant de procéder aux extraditions. Mais cette convention vous dit, si vous êtes déjà, vous l'avez ratifiée, il vaut mieux favoriser la souplesse. C'est-à-dire que dès lors que vous avez reçu une demande du gouvernement qui veut l'extradition, à vous du pays qui garde les personnes qu'on veut extrader, de pouvoir faciliter également la procédure pour que ces personnes se retrouvent dans le pays demandeur. Pour le pays récalant, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle. Donc, moi, je ne peux pas vous dire si tout était respecté. Mais je peux vous dire que des mécanismes existent pour procéder à l'extradition ou alors solliciter l'entrée judiciaire lorsqu'un pays veut poursuivre des personnes qui se retrouvent à l'étranger et voulaient qu'elles reviennent sur son territoire. Y a-t-il des conventions qui lient le Cameroun et le Nigeria sur les questions d'extradition? Pour le peu que j'ai pu avoir, que j'ai pu savoir, c'est que cette convention des Nations Unies que je viens de citer contre le crime transnational organisé, le Cameroun l'a ratifiée en 2006 et le Cameroun l'a ratifiée, le Nigeria l'a ratifiée en 2001. Donc, Donc il y a... dans le cas de cette convention-là, l'extradition est possible. Donc il n'y a aucun risque que les procédures n'aient été pas respectées. Mon cher député, je n'irai pas sur ce terrain-là. Je vous ai dit, je ne Je connais vous pas amène le sur aucun dossier. terrain. Je reste sur le plan purement technique. Je parle de mécanisme de droit
je ne peux pas en arriver à l'application pour savoir si c'était réussi ou pas. Est-ce qu'il y a des griefs? Est-ce qu'il y a eu des violations des droits de la défense? Je ne peux pas vous le dire. Bah, vous êtes sur la défensive? Je ne suis pas du tout sur la défensive. Ah non, pas du tout. Quoi de plus normal qu'un avocat soit défensif? Non, c'est encore plus... Peut-être pas défensif, mais de la défense, oui. J'aime bien, c'est le banc sur lequel on est le plus à l'aise quand on est sur le banc de la défense. Bon, on peut donc penser, croire que le fait que ni les États, ni les défenseurs d'ailleurs, ou ceux qui pourraient être les défenseurs de ces personnes interpellées, ni les organisations qui défendent les droits de l'homme ne disent mot autour des procédures, on peut penser que toutes les procédures ont été respectées. Est-ce que c'est ce qu'il faut penser? Je me dis toujours, le moment pour prendre position n'est peut-être pas encore arrivé pour elle. Il faut avoir des informations pour pouvoir se déterminer. Ces informations ne sont pas encore disponibles. Il faut toujours se mettre sur le qui-vive, se dire, OK, on va peut-être attendre un peu, attendre de voir. Il ne faut pas tout de suite déduire que le silence veut dire qu'on approuve bien, ça veut dire que tout s'est bien passé. Non. Il peut se trouver simplement qu'on n'a pas encore d'informations. Le moment venu, quand elles seront disponibles, on va donner une opinion, on va s'exprimer. On parlait tout à l'heure du code de procédure pénale. Que prévoit-il pour quelqu'un qui se défend? Pour un accusé. Pour un accusé ou un prévenu, comme vous voulez. Que prévoit le code lorsque quelqu'un est interpellé pour un délit ou un crime en termes d'entrer en contact avec son avocat? Quel est le délai? Il n'y a pas de délai. Pour vous dire ce que prévoit le code de procédure pénale de Camerounais, qui est d'ailleurs un point que les avocats avaient salué, dès que vous êtes déjà au niveau de l'enquête préliminaire, donc vous êtes encore devant l'officier de police judiciaire, vous avez le droit de garder silence jusqu'à ce que votre avocat arrive. Et l'officier de police judiciaire doit vous en informer. Vous avez le droit à un avocat. Vous pouvez garder silence jusqu'à ce que cet avocat arrive pour vous assister au cours de votre audition, de votre interrogatoire. Alors, aucun avocat... Délai, il n'y a pas de délai. C'est immédiat. Aucun avocat n'a encore eu accès à Yoctabe et compagnie. Donc, on peut penser que, de ce point de vue, le code de procédure pénale n'est pas respecté. Soyez sûr que les avocats qui défendent ces personnes vont être pointilleux sur ce qu'on appelle le respect des droits de la défense. Et le code de procédure pénale camerounais est intransigeant. Il est même extrêmement dur. Parce qu'il vous dit la violation des droits de la défense en train d'annuler la procédure. Et elle peut être invoquée, cette violation, en tout état de cause. Donc, il ne sert à rien de violer les droits de la défense parce que ça va entraîner l'unité de la procédure. Or, l'accès, le droit à un avocat est un droit de la défense. Si ce droit n'est pas respecté. Je voudrais bien partager cette conviction. Je veux dire qu'à ce jour, manifestement, tout porte à croire que ce point important n'a pas été respecté. Le juge va être appelé à se prononcer dessus, si c'est avéré. Ne vous en inquiétez pas. Ça va être un débat que le juge devra trancher. Ça ne peut pas être invoqué devant le juge. Donc on peut dire qu'en ce moment, la détention de ces personnes est illégale. Elle est hors norme. Je n'ai aucun élément dessus. Parce que pour pouvoir parler de détention illégale, arbitraire, tout ce que vous voulez, il faut quand même déjà voir la base de l'arrestation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, on a l'impression qu'on est dans une situation où il n'y a pas d'éléments pour en parler. Si j'avais des éléments, je peux vous dire que c'est avec beaucoup de plaisir que j'aurais échangé avec vous là-dessus. Le code de procédure pénale prévoit-il que quelqu'un peut être détenu dans un environnement qui n'est pas considéré comme une prison ou un espace légalement reconnu comme un lieu de détention? Ça, c'est interdit. C'est interdit. Oui. D'accord. Alors, autre chose, le président de la République a évidemment mis sur pied le Conseil constitutionnel, qui a d'ailleurs fonctionné, qui vient de rendre avec brio certaines lois précises. J'ai dit brio, bon, je le mets un peu les résultats des élections sénatoriales. Vous, quelle première appréciation faites-vous après ces premiers pas du Conseil constitutionnel en tant qu'avocat?
Ben écoutez, j'ai eu beaucoup de plaisir à remarquer que le Conseil constitutionnel avait été très attentif aux observations des avocats. On leur a laissé le temps de s'exprimer. Vraiment, il y a eu beaucoup de courtoisie de la part du tribunal, du Conseil constitutionnel à l'égard des avocats. C'est quelque chose qu'il faut relever pour le souligner, pour le saluer. Ça, c'est très bien. Maintenant, sur la qualité des décisions rendues, je n'ai pas encore eu l'occasion de les consulter jusque-là. Mais je pense que pour l'essentiel, c'est des décisions qui sont plutôt appréciables. On sait que longtemps, la Cour suprême a joué le rôle du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, je veux dire, comment est-ce qu'on met les deux institutions dans le cadre étatique? Quels sont leurs rôles? Quelles sont leurs places? Qui fait quoi? Qui ne fait plus quoi? Comment ça fonctionne concrètement? Non, est-ce que le Conseil constitutionnel, la Cour suprême ne jouait pas le rôle du Conseil, enfin, n'était pas le Conseil constitutionnel. Elle a rempli quelques missions qui étaient dévolues au Conseil constitutionnel. La Cour suprême exerce le pouvoir judiciaire, en même temps, partage cet exercice avec les cours d'appel et les tribunaux d'instance. Elle réunit, elle chapeaute l'ordre judiciaire, l'ordre administratif et également les tribunaux. Les tribunaux de compte et la Cour des comptes, ça relève de la Cour suprême. Donc, quand vous, par exemple, on vous a volé une chèvre, vous avez porté plainte, en premier instant, vous n'êtes pas satisfait pour aller à la Cour d'appel, vous allez jusqu'à la Cour suprême, ça s'arrête là. Par contre, en ce qui concerne le Conseil constitutionnel, son domaine est tout à fait différent. Nous ne sommes plus dans un système, nous sommes ailleurs. Le Conseil constitutionnel statue sur la constitutionnalité des lois. Et dans d'autres matières, comme la constitutionnalité des lois, pour savoir si les lois sont conformes à la Constitution. On lui donne également le pouvoir de s'assurer que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou du Sénat est conforme à la Constitution. Ça, ce sont les missions du Conseil constitutionnel. Et ces décisions ne sont pas susceptibles de recours, s'il faut le savoir. Et quand il y a une décision, cette décision s'impose à toutes les juridictions, à toutes les autorités civiles, administratives, militaires. Donc, dès qu'elle a statué, il ne peut plus. Fin du débat. Voilà. Donc il n'y a pas possibilité, je veux dire que, je vais peut-être utiliser le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, il n'y a pas infiodation Non, de. il n'y a aucun lien entre les deux. Pour l'instant, il n'y en a pas. Si vous voulez, s'il se trouve par exemple que vous êtes devant une juridiction et si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'un texte est contraire à la Constitution, on ne peut pas appliquer ce texte-là au Cameroun. Dès lors que le Conseil constitutionnel est illégal, on ne peut pas l'appliquer au Cameroun. Donc, même la Cour suprême va s'incliner et ne pourra pas faire application de cette loi-là. Mais entre les deux, il n'y a pas, c'est pas, il y a, comment je veux dire, vous n'allez pas, le Conseil constitutionnel n'est pas le supérieur hiérarchique de la Cour suprême. Vous n'allez pas attaquer une décision de la Cour suprême devant le Conseil constitutionnel. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le Conseil constitutionnel a ses missions. Elle va vider le contentieux, par exemple, en matière des élections parlementaires, mais également l'élection présidentielle. Elle va s'occuper des litiges, de régler le fonctionnement entre les États, entre l'État du Cameroun et les régions, entre les régions elles-mêmes ou bien entre les institutions de l'État. Ce sont les missions qui sont dévolues au Conseil constitutionnel. Et par contre, pour les élections comme l'élection municipale et l'élection régionale, ça relève de la compétence de la Chambre administrative. Donc voilà à peu près les choses que je peux vous dire assez rapidement. Mais entre les deux, ne pensez, il n'y a pas un lien, il n'y a pas de rapport hiérarchique. Non, il n'y en a pas. Chacun est dans son domaine. C'est bien ce que j'observe. Alors, un commentaire, peut-être sur la nomination intervenant aujourd'hui. Le président a complété la liste des sénateurs. Ils sont passés de 70 élus à 100 sénateurs désormais, incluant les 30 nommés. Je pense que le changement qu'on a pensé ou deviné ou supposé ou commencé à animer sur tous les forums, les plateformes de débat, ce changement n'est peut-être pas celui, ne viendra peut-être pas, ne viendra plus. Puisque on a reconduit l'essentiel des sénateurs qui étaient déjà en place. Donc, de mon point de vue, le chef de l'État a simplement rempli la mission qui était la sienne, compléter la composition du Sénat, pour qu'on se retrouve désormais à 100 sénateurs. La loi est respectée. Voilà. Il joue bien son rôle, le président. Ben écoutez, c'est le minimum qu'on attend de lui, même si on peut encore lui faire quelques reproches sur d'autres activités, mais sur ce coup-là, c'est tout à fait réussi. Je vous amène sur un autre chantier qui lui également fait quand même couler beaucoup, beaucoup d'encre. L'opération Épervier. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Je ne sais pas ce que je peux voir. La première chose, quand on dit opération Épervier,
Ça vient d'où, Opération Impervie? Bah, pour faire simple, disons que c'est un nom commun, peut-être Qui vient d'où? désigné par la Pourquoi? presse, pour quand même identifier un phénomène qu'on observe. Le président de la République a lancé, selon lui, une opération d'assainissement des finances publiques en lançant des procédures contre des responsables soupçonnés de détournement ou de corruption autour de la fortune publique, pour faire simple. D'accord. C'est vous qui donnez un contenu à l'opération. Moi, quand j'ai parfois lu chercher à comprendre, pour moi, quand je lis quelques éléments sur l'opération Épervier, on me dit c'est la lutte contre la corruption. Mais vous, vous amenez ça Non, non, maintenant. tout ça rentre dedans. Maintenant, vous ramenez d'autres contenus dans Tout ça l'opération Épervier. rentre dedans. D'accord, ok, je veux bien. Corruption, détournement. D'accord. Donc, pour moi, déjà, première chose, quand on parle d'une opération, ça suppose qu'on a un objectif, on met des moyens en place. D'accord. Et quand on met les moyens en place, s'agissant d'une opération, c'est quelque chose de très précis qui se détache et qui a besoin d'être. De se mouvoir assez facilement. Mais et dans ce genre de situation, je regrette qu'il n'y ait pas de porte-parole de cette opération-là. Pour nous dire exactement où l'on va, qu'est-ce qu'on recherche, et à chaque fois, qu'est-ce qui se passe. Ça laisse la porte ouverte à tout et n'importe quoi. On ne sait plus finalement qu'est-ce qui est vérité, qu'est-ce qui n'est pas. Et avec pourtant un porte-parole, on aurait gagné en visibilité, en clarté. Malheureusement, cela fait défaut à cette opération Impervie. Maintenant, est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle dissuade les autres personnes de ne pas se livrer au comportement qu'on reproche à ceux qui sont arrêtés? Je pense que là-dessus, on peut répondre plutôt avec un très peu d'enthousiasme par l'affirmative. Parce que, au rythme où on a arrêté des hautes personnalités, les premières arrestations auraient pu laisser penser que les arrestations ne seraient plus de la même ampleur. Mais Pardon. ça va grandissant, ce qui laisse penser que, on doit s'interroger sur l'efficacité de l'opération, du moins en ce qui concerne désormais la prévention du pillage de la fortune publique. Il faut bien s'interroger là-dessus. Il faut faire un bilan. Est-ce que le but était uniquement de recouvrer de l'argent? Si c'était de recouvrer uniquement de l'argent, combien a-t-on recouvré sur combien qui était estimé être distrait? Il faut faire ce bilan de manière froide, pour vraiment faire ce qu'on appelle vraiment le bilan et se projeter sur l'avenir désormais. Comment faire désormais pour être efficace, ou plus efficient? C'est des questions qu'il faut se poser. Mais sortir de là maintenant, sur le plan des procédures, quand on regarde la configuration des locaux du tribunal criminel spécial à Yaoundé, on a deux salles d'audience. On avait peut-être pensé qu'il n'y aurait pas beaucoup de personnes qui seraient attrayées devant ces juridictions. Mais aujourd'hui, on voit que le nombre va grandissant. Est-ce qu'on va devoir construire d'autres salles d'audience pour le TCS? Bref, voilà ce qu'on peut dire à première vue. Mais il y a aussi que trop de personnes qui sont incarcérées sans forcément être jugées définitivement, procédure trop longue. Je veux dire qu'en tant qu'avocat, on ne peut pas se sentir au paradis, hein. Non, au TCS, on ne se sent pas au paradis, soyez-en sûrs. En tant qu'avocat, on ne se sent pas au paradis. Non, non, non. Le TCS a un régime dérogatoire du droit commun sur le plan procédural. Même sur, donc, dès lors que vous êtes devant le TCS, il faut être combatif en tant qu'avocat. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et deux fois plus qu'ailleurs, parce qu'on est toujours combatif en tant qu'avocat. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas agréable à vivre. Soyez qu'on soit d'accord, quand vous avez à défendre quelqu'un devant le TCS, ce n'est pas du tout agréable à vivre. Non, 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 parce que on est sous une pression, les délais sont limités, les voies de recours ont été évitées. Beaucoup de choses ont changé. Donc, devant le TCS, ce n'est pas facile, il faut être combatif. Ce mécanisme-là, il est conforme à la loi ou bien vous avez le sentiment que la célérité dépend de tout sauf de la loi? La réponse, le courant des défenseurs de droits de l'homme se disait que le TCS était une juridiction d'exception. Bon, la réponse a été donnée en disant que l'on sait une juridiction spéciale. C'est quoi la différence? La différence, c'est que juridiction d'exception, ça veut dire qu'en réalité, on court-circuite les droits de la défense. Alors que juridiction spéciale, ça veut simplement dire qu'on lui assigne des missions, mais on reste dans un cadre qui est encore conforme aux règles de droit. Et en tant que spécialiste du En tant droit. que spécialiste, pour moi, je penche plus pour l'hypothèse et pour la position des spécialistes des droits de l'homme. Parce que je ne vois pas pourquoi on avait besoin spécialement de créer le TCS. Il n'y avait pas de raison spéciale. Les procureurs de la République de nos différentes juridictions sont suffisamment outillés
peut engager des procédures à l'égard de toute personne qui pille la fortune publique. Il n'avait pas besoin de centraliser les procédures. Non, ce n'était pas nécessaire. Vous avez déjà eu des clients qui sont face au TCS. Comment ça se passe quand vous y arrivez? On vous interpelle à 4 heures du matin avec 50 policiers autour de chez vous. Vous êtes embarqué dans une voiture blanche. C'est quoi la suite après? Pour l'arrestation, c'est autre chose. Ce qui concerne la procédure, pour l'expérience que moi j'ai eue, on a affaire à des magistrats plutôt affables, agréables. Enfin, je pense que plutôt très courtois à l'égard des avocats, ce qui concerne le juge d'instruction. Et en général, le cadre, il est moins stressant que devant d'autres juridictions, parce que c'est des bâtiments différents, neufs, spacieux, plutôt bien équipés. On va dire que ça comme ça, donc... pour vous dire sur le plan technique, quand vous êtes entendu, vous êtes devant le juge d'instruction qui, celui qui mène cette information-là. Après, on rend une ordonnance. L'ordonnance doit être notifiée aux parties. Il y a des possibilités d'attaquer l'ordonnance devant la chambre, devant la section spécialisée de la Cour suprême. Ce qui est une possibilité qu'il ne faut pas négliger. Bon, si votre recours n'a pas abouti devant la Cour suprême, vous revenez donc devant la juridiction de jugement. On ouvre le procès et tenez-vous tranquille, il n'y a pas que des condamnations TCS, il y a des acquittements aussi. Vous l'avez certainement dit pour le regretter, on entend effectivement moins de communication autour parce qu'on aurait bien pu. Ah, voilà. C'est des choses que la communication autour du TCS aurait permis de porter à la connaissance de tout le monde. Mais la question davantage était pour comprendre un peu, me mettre un peu dans la peau des gens. Quand vous arrivez, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire qu'on entend souvent dire qu'il y a des responsables qui sont interpellés à 8 heures du matin. Oui. Ils sont entendus toute la journée. Oui. Ils dorment dans une cellule. Le lendemain, on les entend toute la journée. Oui. Et puis on les défère. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Mais quand vous arrivez, on vous laisse, on vous parle dans un endroit, vous attendez que le juge se réveille de chez lui, prenne son petit déjeuner et puis... Donc, première chose, quand il y a, au TSS, désormais, il y a ce qu'on appelle le corps spécialisé des officiers de police. Absolument. C'est-à-dire que l'enquête peut être menée d'abord par ce corps spécialisé des officiers de police. Quand elle termine son enquête préliminaire, elle envoie au procureur. Elle adresse les procès-verbaux au procureur près le tribunal criminel spécial, qui, lui, à son tour, renvoie un juge d'instruction pour qu'il ouvre une information judiciaire. Mm-hmm. Quand l'information judiciaire est ouverte, le juge peut décider à nouveau d'entendre les personnes mises en cause. À titre d'accusé ou à titre de témoin, celui qui en a sa procédure. Quand il a donc mené son information, il peut décider au premier jour où il vous a entendu de vous mettre, de vous placer en détention provisoire. À partir de cet instant-là, vous partez du tribunal qui ne peut pas aller à la prison pendant que vous êtes encore devant le juge d'instruction. Mm-hmm. Et vous resterez en détention jusqu'à ce que le tribunal statue sur votre dossier pour vous dire si vous êtes condamné, si vous êtes reconnu coupable ou si vous êtes acquitté. Voilà comment ça se passe. Quand on lit déféré, en réalité, le terme déféré, c'est que très souvent, c'est ce qu'on voit dans d'autres localités ou bien dans les procédures TCS. On vous prend généralement la gendarmerie ou la police, on vous entend et on vous défère au parquet. C'est-à-dire que c'est le fait de transférer une personne entendue du commissariat ou de la gendarmerie vers le parquet. C'est ça le déférement. Okay. Voilà, c'est ça qu'on appelle déférement. Quand on a déféré quelqu'un, c'est ce genre d'opération. Lorsqu'on vous partez d'une unité de police gendarmerie vers le parquet. Donc c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, le fait de vous entendre plusieurs jours successifs, ça peut arriver même au niveau de l'enquêteur, hein, de l'enquête, celui qui mène l'enquête préliminaire. Il peut vous entendre plusieurs jours successifs, sans pour autant que cela préjudicie pour dire que vous avez commis les faits qui vous sont reprochés ou si vous êtes innocent. Ce n'est pas lui d'apprécier. Quand il termine son enquête, il adresse son procès verbal au procureur près du tribunal criminel spécial, qui à son tour décide de voir si elle lui a ouvert l'information ou pas. Voilà comment ça se passe concrètement. Donc, et en attendant, on peut être à la prison, en détention, comme on peut être en liberté. Il y en a qui sont au tribunal, qui passent au tribunal criminel spécial, mais qui sont en liberté. Évidemment, ce tribunal est également régi par le code de procédure. Oui, oui, oui. Il y a un texte spécial qui organise au tribunal criminel spécial, mais qui renvoie pour les autres éléments non régis par ce texte à ce qu'on appelle le code de procédure pénale comme le fond du droit commun. Justement, c'est là où je voulais en venir. Qu'est-ce qui le rend donc spécial? Qu'est-ce qui le fait spécial, surtout en termes de procédure? Ce qui le rend spécial, c'est d'abord le fait qu'il a une compétence nationale pour les montants au-dessus de 100 millions. D'accord. Voilà. Dès lors que le détournement dessus, ça relève de sa compétence. Quel que soit le lieu où vous l'avez fait au Cameroun, on vous amène à Yaoundé. C'est d'abord ça la spécialité. Et surtout, la spécialité, c'est qu'il ne connaît que les infractions du détournement des liens publics et les infractions connexes.
Voilà. On peut parler devant un tribunal spécial parce que vous avez giflé quelqu'un en route ou parce que vous avez cassé une vitre. Non. Il faut qu'il y ait directement un déni public et que le montant relève du taux du TCS pour que l'on vous l'amène là-bas. Et puis, la compétence est donc nationale. Voilà les caractères qui permettent de dire. C'est juste ces deux caractères-là. Mais en termes de respect de droit. Non, pour la procédure pour la également. Loi, peut-être le côté spécial, c'est qu'également, il y a un corps de texte qui vient apporter quelques dérogations à quelques éléments du code de procédure pénale. Oui. Ça aussi. C'est que quand, par exemple, on voit une ordonnance, vous allez directement devant la Cour suprême, alors que c'était quand c'est devant le tribunal de premier instance ou de grande instance, on va d'abord à la Cour d'appel avant de saisir plutôt la Chambre de contrôle de la Cour suprême. Devant le TCS, dès qu'on a l'ordonnance, on va directement devant la Cour suprême. Pareil pour la décision qui sera rendue au fond, lorsque par la juridiction de jugement, quand on rend la décision, le pouvoir est fait. C'est un pouvoir que vous formez directement devant la Cour suprême. Voilà les éléments de spécialisation ou de spécialité. Maintenant, moi, je requiers l'avis de l'avocat. Si on vous demandait de votre point de vue, de votre angle d'appréciation, de faire un bilan de ce TCS. Je n'ai pas tous les éléments pour faire un bilan. Oui, mais sur les je veux dire que nous, moi, en tant que juge, je peux en dire un mot pour dire que vraiment tout le monde va en prison. Quand, je veux dire, il vaut mieux le perdre devant le TCS. Oui, c'est la réputation. Mais je vous ai dit tout à l'heure également que le TCS rend des décisions d'acquittement. Donc, il y a des personnes qui passent devant le TCS. Et le test, c'est les juges qui n'ont donc, j'en étais à demander l'appréciation en d'autres mots sur les éléments que vous avez. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le test, ça n'avait pas lieu d'être. On pouvait laisser la compétence au tribunal qui existe déjà, de première et de grande instance, pour connaître de ces procédures, tout simplement. Elle le connaissait déjà en ce qui concerne les témoignages publics. On a voulu centraliser parce qu'on a peut-être pensé qu'il fallait une opération spéciale, parce que peut-être on a vu l'ampleur du pillage, il fallait aussi agir très vite. Bon, est-ce que cela a été atteint? Est-ce que cela a été réussi? Peut-être parce qu'il fallait également un tribunal. Qui va gérer à la douce des questions politiques. Bon, vous savez que c'est l'un des regards qu'on jette. Il y a encore un rapport hiérarchique jusqu'aujourd'hui au Cameroun entre le ministre de la Justice et les procureurs devant chaque juridiction. Ils donnent encore des instructions à ces procureurs. C'est des choses qui sont connues. Donc, est-ce qu'on avait besoin pour autant d'avoir un tribunal criminel spécial? Je dis encore non. Donc, vous franchirez également le pas de ceux qui estiment que c'est une opération d'épuration politique qui ne vise que ceux qui, manifestement, ont un regard convoiteur vis-à-vis du pouvoir. Bon, ça peut être la réponse des politiques aux politiques. Mais sur le plan technique, je n'ai pas d'éléments concrets pour vous dire cela. C'est vrai que dans le même temps, on n'arrête pas tout le monde qui est soupçonné de pillage dans la fortune publique. Mais est-ce que le soupçon est une preuve? Le soupçon n'est pas une preuve. Et justement, comment on peut expliquer ça? Par exemple, cas palpant. En ce moment, à travers les réseaux sociaux, tout au moins, et des informations qu'on a pu voir, on a pu lire une liste de personnalités qui sont interdites de sortir du territoire. Oui. Donc, évidemment, soupçonnées soit de détournement, soit de corruption et autres. Mais elles sont encore en liberté, pendant que d'autres sont déjà... Qu'est-ce qui peut, je veux dire que, qu'est-ce qui est l'élément déclencheur? Pourquoi ce semblant de justice à deux vitesses face aux situations identiques? Est-ce qu'il s'agit de justice à deux vitesses? C'est simplement qu'il s'agit du déroulement d'un process, d'une stratégie mise en place par le juge d'instruction, en accord peut-être avec la police, ou le parquet général, ou le parquet auprès du TCS. C'est des stratégies qu'on adopte en fonction des dossiers. On peut pour l'instant, il y a un convoi tout de suite, il y a les éléments tout de suite, on dit OK. On va l'interpeller ou bien on le convoque au TCS et puis on va le placer en détention. D'autres, on se dit non, pour l'instant, les dossiers ne sont pas encore prêts, il y a encore des éléments à recueillir, ainsi de suite. Je ne connais pas comment ça fonctionne, mais de mon point de vue, c'est simplement des stratégies que déploient ceux qui sont dans l'accusation. Donc Dieu le juge attend son heure pour décider de la sentence de l'un ou de l'autre. Non, la sentence, c'est autre chose. Pour la sentence, on est déjà au tribunal. Maintenant, il y a même ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite, hein, n'oubliez pas. Le procureur peut estimer que dans un cas, je ne vais pas poursuivre, dans l'autre cas, je vais poursuivre. Oui, il ne faut pas l'oublier. Mais ça relève des stratégies. Okay. De l'action de l'accusation, le parquet, la police, c'est eux qui savent les stratégies qu'ils mettent en place. Alors, pour revenir sur nos débats que vous aviez eus, quels sont les griefs? C'est vrai, la loi est votée, mais ça n'empêche pas qu'on en parle. Quels sont les éléments aujourd'hui de faiblesse de ce code de procédure pénale? Quels sont les griefs? Quelques-uns. Éléments de faiblesse, il y a des imprécisions. Il y en a beaucoup. Le texte a été, se voulait novateur, moderne. Bon, il faut aussi qu'on finisse par un jour
faire le bilan des premières années d'application du code de procédure pénale et d'envisager également de le modifier ou de l'adapter. Il y a des imprécisions, il y a des dispositions que chacun interprète à sa manière. Aujourd'hui, me demandez, vous les donnez tous comme ça là. Peut-être pas tous. Quelques adaptations, quelques modifications. Oui, il y a un article qui a fait jaser beaucoup de monde, c'est l'article 390, c'est ce qu'on appelle le complément d'information, qui donne l'impression que le tribunal peut... On peut avoir un autre mode d'éclenchement d'une procédure judiciaire avec ce qu'on appelle le complément d'information. Parce qu'on dit que le tribunal peut désigner un juge pour qu'il procède à un magistrat pour qu'il procède à un complément d'information. C'est quoi un complément d'information? La définition n'est pas donnée dans le code de procédure pénale. Et quand on est qui désigne un magistrat, est-ce que c'est le magistrat du siège? Est-ce que c'est le magistrat? C'est qui ce magistrat en question? C'est des imperfections comme ça que quelquefois on a du mal. Qui pose des difficultés lorsqu'il s'agit d'appliquer ce texte-là. Et comme ça, quand vous rentrez le soir à la maison, vous dites, un justiciable peut quand même faire confiance en la justice de son pays, on peut dormir sereinement, sachant que même si on n'est pas correct vis-à-vis de la loi, on aura droit. Pour vous répondre sincèrement, c'est de plus en plus difficile de dormir sereinement quand on a affaire à la justice dans notre pays. C'est de plus en plus difficile. Parce que les règles les plus élémentaires ne sont plus appliquées. Il faut le dire franchement. Il faut le dire très franchement, c'est difficile aujourd'hui de dire à un client, dans votre cas, vous avez raison et le tribunal va vous suivre. C'est très difficile. Parce que les décisions sont quelquefois rendues, elles sont incompréhensibles. Incompréhensibles. Même les règles évidentes, le bas à bas du droit n'est pas respecté. À partir de cet instant, comment voulez-vous qu'on continue à celui qu'on leur fait confiance? C'est tous les jours que tout le monde, que les gens se plaignent. Tous les jours, à tous les niveaux dans le système judiciaire. Jusqu'au niveau le plus élevé, il y a les griefs. C'est pas du tout agréable, non. C'est pas agréable. Ah non, c'est pas du tout agréable. Et ces griefs, on les relève à quel niveau? Serait-ce des faiblesses de texte, comme on l'a relevé, ou davantage des faiblesses de ceux qui sont chargés de les mettre en mouvement? Une des choses essentielles sur laquelle beaucoup de gens passent, c'est la qualité des hommes appelés à rendre justice. Les gens ne trouvent plus que ce soit des gens de très bonne qualité. On en est à douter. Le doute envahit les professionnels de droit lorsqu'ils se retrouvent à attendre une décision de justice, ce qui n'est pas du tout bien. Alors, s'agit-il de l'incompétence, s'agit-il de la mauvaise foi, s'agit-il d'une influence qui vient de ce qu'on appelle souvent le réseau, où il est protégé, il est nommé par tel, donc il est intouchable, ou alors s'agit-il de l'influence de l'agent de la corruption? Quelquefois, quand vous croisez tout ça, vous vous posez la question, mais finalement, même si c'était ça, est-ce que c'est pourtant que cette décision doit être rendue de cette manière? Parce que vous ne comprenez pas ce qui est dans la décision, vous ne la comprenez pas du tout. Vous ne savez pas finalement ce qu'il veut dire. Oui. Il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on se mette d'accord au moins. Il y a du minimum. Aujourd'hui, le titre foncier à Douala ne vaut plus rien devant un juge de référé. Il peut décider de l'ordonner à des travaux. Alors que vous avez un titre foncier. C'est inacceptable. Mais c'est devenu banal. C'est devenu banal. Est-ce que c'est pas aussi l'une des origines, et pas la formation de... Formation académique, évidemment, mais... Formation morale, formation... Qu'est-ce qui peut expliquer que... Si j'avais la réponse, je vous l'aurais donnée. On en est encore à chercher, à vouloir comprendre qu'est-ce qui explique la baisse de la qualité des décisions. Qu'est-ce qui explique cela, je ne sais pas. C'est des choses qui sont palpables. Bon, c'est vrai que... Il n'y a pas... C'est vraiment très souvent sur la qualité des hommes que se pose le problème. Oui. Voilà. C'est vrai qu'il y a d'autres... griefs qu'on peut relever, comme des choses qu'on peut reprocher entre justice, comme les rôles d'audience kilométriques. On ne peut pas trouver un magistrat qui a 400 dossiers au rôle en une journée. Humainement impossible à traiter. 400 dossiers, uniquement le temps pour prendre pour appeler le nom des parties, c'est quelque chose qui le fatigue. 400 dossiers. C'est difficile. Justice expéditive alors? Pas expéditive, mais humainement lui-même, même s'il veut, même s'il a de très bonne volonté, traiter 400 dossiers en une journée, c'est quand même pas facile. Et vous, au niveau du barreau, je veux dire, d'ailleurs, on parlait de lobbying tout à l'heure, on parlait de... Je veux dire que vous n'essayez pas, avec les pouvoirs publics... C'est des choses auxquelles il faut penser, je suis d'accord avec vous. Vous mettre en place des passerelles, ou au niveau régional, peut-être à Douala, que l'on puisse avoir une plateforme de concertation entre... les magistrats et le barreau, encore un atelier, des problèmes ou des choses, séminaire. Oui, qu'on s'entend sur des minimums pour dire, ok, voici effectivement les choses sur lesquelles on n'a plus du tout à se poser des questions, ou alors
lorsqu'il y a des travers, voici comment les corriger. Il faut qu'on en arrive à cela. On nous sommes tous dans une même famille. Il faut qu'on se parle dans les yeux, qu'on puisse se dire la vérité et qu'ensemble on trouve les solutions. C'est des choses qui ont existé avant. À l'époque, il n'y avait peut-être pas le même nombre d'avocats. Mais je sais que quand je portais encore le sac de mon père pour l'accompagner au palais, j'entendais souvent qu'il existe ce genre de rencontre entre avocats et magistrats pour discuter des problèmes de droit. Ce qui est de moins en moins possible. Enfin, ce qui, de mon point de vue, n'existe plus. Donc, en d'autres termes, les pouvoirs publics ne mettent pas tous les moyens nécessaires pour garantir une justice équitable aux citoyens. Est-ce que c'est ce qu'il faut dire? Je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut voir la problème. Ce n'est pas forcément dire qu'ils ne mettent pas tous les moyens nécessaires. S'il faut les moyens, on peut en parler toujours et j'estime qu'il n'y a pas tous les moyens. Ce n'est pas un thème d'importance des moyens ou d'argent, non. C'est qu'il faut même déjà que des règles de droit soient respectées. Il faut que le minimum. Il y a des points sur lesquels on devrait avoir des débats. On devrait avoir des jugements constants établis sur des points de droit, mais acceptés par tout le monde, conformes à l'orthodoxie. Pas des décisions qui dépendent à chaque fois de l'humeur ou bien de la. Je ne sais pas de quoi. Non, il ne faut pas que ce soit ainsi. Vous l'avez dit en passant tout à l'heure, la garantie sur le titre foncier. Oui. C'est quoi la problématique? Ben écoutez, normalement, quand on avait un titre foncier au Cameroun, c'est la certification officielle de la propriété immobilière. Okay. Il est intangible, inattaquable et définitif. On dit que c'est. Donc, quand vous l'avez, en principe, rien ne peut vous arriver. En principe. Et on dit que le juge de référé, c'est quelqu'un qui ne rend pas les décisions qui touchent le fond du droit. Or, vous avez votre terrain, vous avez votre titre foncier. Quelqu'un parlait un matin en disant, oh, mais dis putain, sachez que le terrain, là, moi aussi, il y a l'encombre de ma mère qui était passé dessus, qui disait qu'il est propriétaire. La personne engage une action en nullité de votre titre foncier et va devant le juge de référé dire que bon, j'ai attaqué la procédure, j'ai attaqué son titre foncier en nullité, il faut qu'on suspende les travaux sur le terrain de M. le député. Je me pose des questions, ça c'est pas pour le juge de référé qui accède à cette demande. Cela n'est pas faisable. Non. Nous sommes dans une ville comme Douala où le titre foncier a une importance capitale. C'est quand même un élément, même si ce n'est pas à Douala, il faut quand même que les qualités que la loi confère au titre foncier soit respectée. Si ce n'est pas respecté, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? À cet allure, un bon matin, on venait dire, puisque vous habitez cette maison et que j'ai attaqué votre titre foncier en nullité, si vous permettez, vous devez en attendant. Donc, on suspend les effets de votre titre foncier seulement parce qu'on a attaqué en nullité. Non? Alors, bon, puisque j'ai attaqué ça en nullité, si vous persuadez la maison, on laisse la maison libre. Personne n'y habite. Non, non, non. Et qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? Bon. D'ailleurs, doit la réputer pour être un volcan endormi sur des questions foncières. Hein, oui, mais... En attendant peut-être la bûchette qui va l'enflammer. Non, je pense que la modernisation, l'informatisation, la numérisation on appelle ça quoi, du plan cadastral, on va peut-être résoudre en partie ces problèmes. Mais, encore une fois, c'est au niveau du fonctionnement de notre justice qu'il faut regarder. C'est encore ce niveau-là qu'il faut regarder. Il y a des choses qui ne sont pas forcément catholiques, qu'il faut regarder. Je lui demandais autrement tout à l'heure, si il vous était demandé de donner une note à la justice camerounaise, vous tous confondus, avocats, magistrats, procureurs, juges. Non, je ne suis pas celui qui va peindre le diable au mur. Non, non, non. Je ne vais pas donner une note, mais je vais dire qu'il peut mieux faire. Voilà. Il peut mieux faire, c'est-à-dire 10 fort. Bon, chaque système d'appréciation a ses repères. Moi, je vais dire, peut mieux faire. Ce n'est pas en termes de notation numérique que je vais vous apporter. Si vous êtes demandé justement dans quel domaine, quelles seraient les propositions d'assainissement qu'il fallait... La première chose, si on sanctionnait déjà les personnes qui étaient fautives avec preuve à l'appui, je pense que ça allait mettre au pas beaucoup d'autres. Il faut déjà commencer par appliquer les sanctions. Il faut déjà commencer par appliquer les sanctions. Et encore... peut-être également, c'est que même dans le corps judiciaire, on connaît quels sont les meilleurs juges, on connaît quels sont ceux qui sont au-dessus du lot. Qu'on les affecte à la juridiction des grandes villes comme Douala, Yaoundé et autres, pour qu'à ce niveau, on connaisse des décisions de qualité. Donc les meilleurs ne sont pas forcément dans les... Non, vous entendez les gens se plaindre. Oui, c'est pas, les affectations n'obéissent pas toujours au code de déontologie des magistrats, ni au texte qui... Règlement le statut de la magistrature. En d'autres termes, il respecte les voies des réseaux. Bien, c'est ce qui est très souvent entendu, oui. Mais vous, en tant qu'avocat, je dis, face à ces difficultés, comment vous gérez ça? Comment... Ma femme a parfois pitié de moi, c'est vrai. Bon, comment gérer ça? C'est tout sauf une raison.
que ce n'est pas parce qu'on m'a rendu une mauvaise décision que je vais perdre le chemin du droit. Non. Il faut que je connaisse toujours quelle est la règle cardinale. Il faut que je connaisse les éléments fondamentaux, que je connaisse la bonne règle du droit, que je sache comment on résout les questions de droit. Il faut que je continue à avoir ces canons en moi. Pas me fier à une décision qui est rendue pour plaire à une personne ou bien pour résoudre un cas d'espèce. Non, moi je ne suis pas. Je dis toujours, garder les fondamentaux, rester toujours collé à l'orthodoxie et ne pas vous en départir. Garder espoir. Voilà ce que je dis souvent à mes collaborateurs et c'est ce que même je m'applique. Il est un peu plus de 11h11 du soir, donc je peux vous permettre cet exemple. Un peu comme le morguier qui est habitué à voir circuler des cadavres, qui fatalement finit insensible. Peut-on dire que l'avocat, face aux décisions de sanctions interminables, tout le temps des clients peut-être incarcérés pendant leur procès, devient insensible finalement On ne face. peut jamais être insensible. Quel que soit le nombre de cas que vous allez rencontrer d'injustice, vous n'allez jamais être insensible à l'injustice. Jamais. Que vous en rencontrez 10 par jour ou un seul en une journée, à chaque fois, vous êtes complètement horrifié. Aucun avocat ne peut être insensible à l'injustice. À l'injustice, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'il y en aura beaucoup que c'est récurrent ou que c'est récurrent que vous allez finir par devenir insensible. Non. On reste toujours combatif. On espère toujours que, à la prochaine occasion, on va peut-être avoir le beau, on va peut-être voir le droit être appliqué. On a toujours cet espoir-là. Si on n'avait pas cet espoir, il y a longtemps que beaucoup auraient déserté le barreau. Peut-on se dire que les avocats étouffent? Puisque tout à l'heure, on faisait le constat que, en même temps, vous êtes face à toutes ces pesanteurs, ces pressions, ces injustices, mais vous ne vous parlez pas, vous ne vous plaignez pas. Vous allez au tribunal, vous perdez les procès, vous y retournez le lendemain, vous faites une raison, vous retournez le troisième jour, vous faites une autre raison. Ne dites pas qu'on ne se plaint pas. Les avocats, chacun à son niveau, expriment cette espèce de comment je vais dire, de L'étouffement. pas d'étouffement, de désillusion ou de dégoût vis-à-vis de la récurrence de l'injustice. Il exprime, il y en a qui le dénoncent de manière régulière à l'attention des autorités de ce pays. Le principal conseil, on ne se tait pas. Non, on ne se tait pas. Comme je vous l'ai dit, c'est parce que quelquefois, malgré le fait que ce soit dénoncé, que vous ayez dénoncé, que vous ayez même crié, vous ne voyez pas les sanctions venir. C'est ça aussi qui fait mal. Ça fait très mal de voir que vous dénoncez une injustice, vous dénoncez quelque chose qui s'est passé, quelque chose de très grave, qui méritait d'être sanctionné, et rien n'arrive. Aujourd'hui, quel est le cadre d'échange entre les pouvoirs publics et vous, le barreau? Ben écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, ça reste encore. Le bâtonnier est celui qui nous représente, c'est l'interlocuteur des Donc c'est institutions. informel. Ça reste à ce niveau-là, oui, Au c'est. fur et à mesure que les cas se présentent, les situations, on consulte le garde des Sceaux, s'il peut apporter des solutions, tant mieux. Il n'y a rien d'institutionnel, rien de formel. Mais qu'est-ce que vous auriez souhaité qu'on l'on fasse, que l'on descende dans la rue? Par exemple, pourquoi pas? Mais. Vous avez quand même le droit exprimé éventuellement dans le cadre, évidemment. Les manifestations publiques sont encadrées. Tout à fait. Donc. Mais avec la situation actuelle où le malaise provoqué par les dysfonctionnements de sa justice se dissémine de manière avec une grande ampleur au sein de la profession, c'est sûr que tôt ou tard, des manifestations peuvent déborder et échapper à la maîtrise du conseil d'ordre. Ça, c'est évident. Mais encore une fois, nous sommes dans un ordre. C'est le bâtonnier qui donne le la et c'est lui que nous suivons. C'est cette année qu'aura lieu les élections au niveau de. C'est cette année, je crois bien. Vous demanderez au conseil ou bien au président de l'Assemblée générale, c'est lui qui organise les élections. Le président de l'Assemblée générale. Parce que les délais sont déjà passés. Oui, puisque le mandat est de 2 ans. Mais qu'est-ce qui explique que ça traîne autant? Les explications ont été données par le bâtonnier en raison des événements qui sont survenus dans notre pays. Et puis, encore une fois, c'est le président de l'Assemblée générale des droits des avocats qui organise les élections. Vous l'interpellerez sur ce point et vous donnera la réponse qui est la sienne. Indépendamment de ces événements, on a eu les élections sénatoriales. Je veux dire qu'on aura les élections municipales, les élections législatives, les élections présidentielles. Très bonne, très bonne. Vous avez une bonne observation. Mais est-ce que les événements ont affecté ce sénateur? Pas On a forcément. vu que même dans le Lébialem, à Oui. Mendi, où c'était assez chaud, là-bas, les conscients Mais ne vous canon. inquiétez pas, les élections auront lieu. Ça, Quand? c'est sûr. Je vous l'ai dit, le président de l'Assemblée générale qui est en charge des élections va certainement communiquer dessus.
On l'espère bien. Oui. Maître Sterling Menon, merci. Mais je vous en prie. De vous être prêté à... Ben vous avez été un bon avocat ce soir. Hein. Merci, merci. merci, mon cher député. Ben c'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Merci à vous également, mesdames et messieurs. Le prétexte, évidemment, de cette émission, c'était les états généraux des jeunes, du barreau des jeunes avocats qui aura lieu. Donc, états généraux du jeune avocat. États généraux du jeune avocat organisé. Et la rentrée solennelle du barreau du Cameroun. Voilà, c'est mieux dit que c'est mieux dit par Maître Minou, qui, je l'ai dit, hein, exerce également des missions pour le Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun. Il est avocat au barreau du Cameroun. Ça nous a permis effectivement de déblayer l'actualité brûlante, cette histoire des résultats de fin d'examen pour la session de 2018 et les autres questions de l'actualité. Merci, bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition de l'Entretien avec.